Le massacre de Sabra et Shatila, deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth Ouest au Liban, a été perpétré, du 16 au 17 septembre 1982, par la milice chrétienne libanaise dirigée par Elior Beka dans un secteur sécurisé par l'armée israélienne. Le nombre de victimes varie suivant les sources entre 2750 et 3000. Lors d'une des discussions qu'on a eues avec les phalangistes qui étaient près de nous, ils nous ont simplement dit qu'ils tuaient et tiraient sur les femmes et les enfants palestiniens pour que les enfants ne grandissent pas et ne deviennent pas à leur tour des terroristes qui viendraient les tuer. Ils les tuaient simplement pour ne pas qu'ils grandissent. J'ai essayé de contacter mon supérieur hiérarchique et je lui ai demandé s'il savait ce qui se passait. Il m'a dit, je vais vérifier auprès de mes supérieurs. Plus tard, quand je l'ai recontacté par radio, il a dit que tout le monde était au courant, qu'ils avaient parlé à l'officier de liaison des phalangistes. Il a dit qu'il ne tuait pas les femmes et les enfants. Sur le moment, l'équipe de la télévision danoise ne mesure pas ce qu'elle est en train de filmer. Ce n'est que plus tard qu'ils se rendront compte que les coups de feu qu'on entend en provenance du camp sont ceux du massacre qui est en train de se produire. Certains de ces gens ont survécu, d'autres ont disparu à jamais. Le commandant en second d'une compagnie de blindés, le lieutenant Grabowski, a également été témoin des tueries de ce jour-là. Plus tard, il témoignera qu'il a vu des officiers phalangistes tirer sur un groupe de 5 femmes et enfants. Quand il s'en ouvre à ses supérieurs, on lui répond qu'on est au courant, qu'on n'aime pas ça, mais qu'il n'a pas à s'en mêler. Mais beaucoup de soldats ont témoigné qu'ils avaient été témoins de massacres. Non, qui? Le lieutenant Grabowski, entre autres. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le lieutenant Grabowski était à l'extérieur du camp. Comment aurait-il pu savoir ce qui se passait à l'intérieur? Il ne s'est rien passé. Tout ce qui s'est passé sur le plan des massacres s'est passé pendant les 2 premières heures de la première nuit. C'est tout. C'est tout. Oui, absolument, c'est tout. That's it. Ce même après-midi, un journaliste israélien se rend à l'aéroport de Beyrouth qui se trouve à 2 km des camps sous contrôle israélien. Il voit des colonnes de jeeps et de véhicules blindés conduits par des phalangistes. Au début, je croyais qu'ils voulaient aller à El Uzay, un quartier chiite à proximité. Et je leur ai demandé, vous allez à El Uzay? Ils m'ont dit, non, on va à Sabra et Shatila. Qu'est-ce que vous allez y faire? Ils ont commencé à faire des gestes avec leurs mains et ils se sont mis à rire. Ils nous ont regroupés et ont commencé à sortir les filles. Certaines étaient violées et ramenées, d'autres étaient tuées.
Il y a eu beaucoup de viols, même des jeunes enfants et des filles de 11 ou 12 ans. Ils s'en fichaient complètement, ils étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas drogués ni rien. Pour eux, c'était tout à fait normal. Certains Palestiniens réussissent à fuir les camps. Ils tentent d'alerter quelques soldats israéliens à l'extérieur sur ce qui est en train de se passer. Je ne savais pas ce qui se passait. Me fichais de ce qui se passait. Ma seule pensée, c'était, je ne veux pas rentrer à l'intérieur, c'est tout. Je ne veux pas être là, c'est tout, aussi simple que ça. Quoi qu'il se passe, je m'en fiche, C'est tout, ce n'est pas mon rôle d'être là-bas, ce n'est pas ma guerre. Mais les rumeurs et les récits de massacres continuent. Ce vendredi soir, Gilles Agmon, officier israélien en poste à l'est des camps, apprend les atrocités dont ses subordonnés ont été témoins. At this stage, à ce moment-là, j'ai perdu toute confiance dans le système. In the system, I can say. After 10 years, I can say. 10 ans après, je peux dire que j'ai perdu confiance dans le commandement. Both. À la fois politique et celui de l'armée à ce moment-là. Pourquoi? Because. Parce que je ne comprenais pas ce que nous faisions là. Et je ne comprenais pas comment, nous étant là, un incident comme celui qu'a décrit Grobowski ait pu se produire à 200 mètres ou moins du quartier général de la brigade. Ces officiers m'ont raconté des histoires du même tonneau que ce commandant de bataillon dans l'avion. Et je leur ai redemandé pendant le dîner, est-ce que vous avez vu? Non, c'est un de mes officiers, un de mes commandants de section. Mais mon instinct me disait qu'il y avait une telle accumulation de rumeurs et d'histoires qu'il devait y avoir quelque chose. Il devait se passer quelque chose. Je ne savais pas si cela avait l'ampleur de ce qu'il me racontait. Il me parlait de tueries. Il me disait que leurs soldats avaient vu des phalangistes commettre des massacres à l'intérieur du camp. Inside the camps by the phalangists. He was shocked. Il était choqué. He was shocked. And I remember. Et je me souviens qu'il nous a dit qu'il voulait appeler le ministre de la Défense, Ariel Sharon. I called him. I telephoned to him. Je l'ai appelé au téléphone. He woke up. Je l'ai trouvé chez lui en train de dormir. Il s'est réveillé et je lui ai dit, écoutez, il y a des rumeurs de tueries et de massacres dans les camps. Beaucoup de nos officiers qu'il voulait appeler le ministre de la Défense, Ariel Sharon. Je l'ai appelé au téléphone. Je l'ai trouvé chez lui en train de dormir.
Il s'est réveillé et je lui ai dit, écoutez, il y a des rumeurs de tueries et de massacres dans les camps. Beaucoup de nos officiers sont au courant et m'en parlent. Et si eux le savent, le monde entier le saura. Vous pouvez encore faire cesser cela. Je ne savais pas que le massacre avait en fait débuté 24 heures auparavant. Je croyais qu'il ne faisait que commencer. Je lui ai dit, écoutez, il est encore temps de tout arrêter. Faites quelque chose. Lors de l'enquête publique qui sera ouverte après le massacre, Ariel Sharon déclarera qu'il croyait que l'ordre avait déjà été donné aux miliciens chrétiens de quitter les camps et qu'on ne pouvait plus rien faire d'autre. L'avez-vous pressé de faire cesser les exactions des phalangistes dans les camps? Oui, absolument. Je l'ai fait. Il n'a pas réagi. Aucune réaction.